Nous avons un grand maître. La sœur qui t'a dit pas là, elle a fait marcher. Elle a fait marcher. Elle a fait marcher. Elle a fait marcher. Donc on marche là, on va la Pérou. Pardon, j'ai pas de ma Pérou. Tu es ta sœur. Que j'ai dit que je veux marcher. Moi, maintenant, dans la route, là, on va aller. Ouais, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Tu me nerves dans tout ça, car quand on vient tout me casser, car tu as eu le coup de main. J'ai dit qu'elle m'a mis l'influenceuse. Manu, tu es où? Je m'interroge. J'ai mangé en sautant le matin. Ça, c'est la seule que quand maman prépare, elle met toujours ma nourriture dedans. Et puis quoi? Est-ce qu'il t'a dit que la sœur a mangé la nourriture? J'ai mangé. Ah, bon! Tu as fait quoi? J'ai mangé. Je te dis que. Tu manges ma nourriture pourquoi? Il n'y avait pas ta part. Tu penses que je devais faire comment? Je suis resté ici depuis le matin. Toi, tu es sorti. Et quand tu sortais, on t'a donné l'argent de baigner. J'ai eu ma part. Ça, c'est le chapitre 15. Moi, il t'a dit quelque chose. Hein. Moi, il t'a dit quelque chose. Tu es une grande fille. Tu peux partir te marier. Regarde mes amis que toutes les soeurs sont mariées. Partent là-bas pour leur donner l'argent. Tu restes à la maison, tu manges ta nourriture sans marier pour moi. C'est normal comme ça. Faut te marier aussi, non? Comme ça, ta femme va te faire des bons plats au lieu de rentrer plumicher tous les jours. Faut aller poster sur Facebook l'influenceuse. Ça va pas honte. Tu sais combien ça donne l'argent? Attends, le jour qu'elle veut rester à la maison aussi. Attends, vraiment. Tu vas rester à la maison quand je suis pas là. Venez d'ailleurs, hey, arrêtez-moi tout ça. Chaque jour, les problèmes. Ça, c'est enfants. Clair. Mais oui, c'est clair. Moi, quoi? Tu ne me respectes pas, maman, il ne me respecte pas. Hein. Il ne me respecte pas. Qu'est-ce qui se passe, mon Léon? Je vais te respecter comment? Je vais te respecter comment? Quand tu restes dans la maison, tu manges la nourriture. Regarde la sœur que tu me manges la nourriture dedans. La nourriture de l'enfant, c'est elle. Tu as mangé sa nourriture pourquoi? Quand toi tu sors le matin, tu lui donnes l'argent de venir, tu mets sa nourriture, il mange le matin et moi il reste ici, je mange une seule fois, tu ne me laisses rien, je fais comme vraiment, tu fais je suis quoi, tes égos sont partout là dans les bureaux en train de travailler, toi tu es à la maison en train de m'adresser. Vraiment, c'est malheureux. Même aider à la cuisine, c'est tout un problème. Je laisse la nourriture de mon fils chéri, toi tu rentres dedans. Et dans tout ça, bonne dame, mange le tout. Mais oui. Alors c'est ma faute si c'est que tu n'es pas toujours le travail. Tu vas trouver le travail comment? Comme tout à part, c'est le téléphone. Mon bébé laisse tout à l'heure là, je vais envoyer qu'on t'achète un bon poisson brisé. Et moi alors? Et toi quoi? Ne cherche pas le travail, il faut rester à la maison pour être là comme ma co-épouse. Et moi alors? Faut laisser. Toi tu passes tout ton temps à m'insulter, tu m'insultes devant l'enfant si là, tu crois qu'il va me respecter comment? Il va me respecter comment? Ah, te respecter. Moi j'oubliais quoi? La fille si là me met dans les problèmes. Tu vois ma copine. Marie dit, on rentre de l'école, nous tranquille. Il y a sa copine qui nous interrompt là-bas. Quand tu dis à ta soeur qu'elle me garde ma perruque telle qu'elle a récupérée, elle ne me salue même pas. Donc dis à tes copines là que moi je ne suis pas leur envoyé. Elle me demande. Tu parles même de perruque là. La fille de Marge est venue ici là le matin. Elle n'était même pas là. Qu'elle lui aurait prêté sa robe pour aller à une soirée. Depuis quand tu prennes même les robes, ma fille? Tu ne peux pas accrocher ton sac là où tu peux décrocher. Même Léo, s'il a une demande, il a des gens, il fait des photos, il met sur sa page. Et moi, j'ai déjà dit aux gens qui étaient influenceurs. C'est pas toi l'influenceur. Pourquoi tu fais Pourquoi tu fais? C'est toi qui demandes jusqu'à supplier les gens pour te mettre les ongles, on t'insulte partout. Tu parles avec quand tes copines te traitent de mamie n'importe quoi. Là-bas. Ça va. Tu accouches plus, c'est les problèmes. Tu n'accouches pas, c'est les problèmes. Ou les femmes qui font les 5 enfants disent là ton comment. Moi, je ne sais pas. 2 enfants à la maison, mais tous les jours, le quartier m'entend. Maman, c'est toi qui fais. C'est toi qui fais. Parce que quand tu laisses tout Léo m'insulter, Léo me parle comme il veut. Il t'insulte comment? Il dit la vérité. Ma. Oui, mon bébé. Je ne te dis pas. Ça va quoi? Ta fille a décroché le chrono maintenant. Ma belle fille. Tu as combien de filles? Voilà, nous ne sommes que 2 à la maison. Tu as combien de filles? Imagine. Quelle fille? Où sont mes verres? Regarde, non, tu rentres tout à l'heure. Regarde bien. Tu as combien de filles? Nous ne sommes que 2, non? Elle et moi. Voilà ta fille. Je n'ai pas parlé pour toi aujourd'hui. Sans caleçon.
Maman, c'est quoi? Lève-toi. Lève-toi. Hey! Hey! C'est toi ou je vois mal? Hey! Qu'est-ce que c'est pas? C'est pas moi là-bas. C'est pas toi où? Même si les yeux de maman lui dérangent, ce sont pas mes yeux qui dérangent aussi. Ce n'est pas toi ici, Bobéza. Ce sont pas tes mains. Dans ce pays, mon frère. Non, la mère, attends. Gars, c'est quoi ça? C'est Photoshop là-bas. Tu vois pas qu'on a triqué. C'est comme si on a pris ma tête, on a chopé sur la fille là. C'est pas moi. Madame, laisse-moi te dire que tu es fait informatique. Ça là, c'est pas Photoshop. C'est toi-même qui as pris le téléphone. On t'a filmé. Tu as envoyé à la personne. C'est on t'a filmé dans la chambre même. Voici mon lit. Mon lit, c'est le Photoshop. Fais-nous voir encore les images. Ce n'est pas ton lit ici. Regarde, c'est pas ton lit ici là. Bobéza, ta photo fait quoi nu sur les réseaux sociaux? C'est super. Donc la fille, c'est vrai. Moi, c'est pas comme si c'est moi qui ai mis. C'est pitié. C'est que moi, tu connais mon ami qui m'a aidé à me donner l'argent jusqu'à ce qu'elle rentre ici. J'ai préparé le poulet, nous tous on a mangé là. Alors voilà, c'est. C'est de la gâchis. Je causais avec lui maintenant, comme ça j'étais à la douche, je suis sorti comme ça. Après maintenant, là, ma serviette est tombée, c'est comme ça que la capturé. Madame, le choc ne manque même pas. Ce n'est pas comme ça que la capture de quand se fait. Et ce n'était non plus un appel, c'est toi qui as envoyé la photo aussi. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux de nous, toi tu prends le courage au point d'envoyer ta photo nue chez un homme. Et c'est même déjà partout, sur que toutes les femmes du marché l'ont déjà vu. Je vais encore vendre. Voilà 3 000 sans partage. Je vais encore vendre. C'est mon nom dans le quartier maintenant. Que voilà alors ce que la fille de Marlène fait. Les partages, on est déjà presque 3 500 partages. C'est les commentaires que tu veux voir. Ça va. J'ai mon ami qui fait dans la cybercriminalité. Il faut que je l'appelle tout de suite là. On doit supprimer les photos sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas mon enfant qu'on doit vendre comme ça. Mon frère. Moi, tu vois le nombre de partages. Tu vois les likes, les commentaires. Hé, maman. Maintenant là, tu ne peux pas comprendre ce qui vient de se passer parce que maman, où on est là exactement? Ça c'est sur les gens que ça fait, ça tombe comme ça. Ça c'est une chance que ça tombe une fois pour tout. Quelle bam, humiliation! Tu ne saisis pas, tu quelle as humiliation! Maman, quelle humiliation! Regarde, tu as vu sur Facebook, quelqu'un a mis un truc que c'est partagé comme ça là. Non, donc ce qu'on doit faire, c'est laisser la vidéo aussi comme ça là. Non, et maintenant, maudit, tu vois comment maudit, je demandais souvent les clubs des gens, je demandais les habits, je demandais les chaussures, ça c'était pour faire que je sois influencée, donc que tout le monde me connaît et puis on me donne des publicités, tu vois un peu maman. Voilà, maintenant comme c'est comme ça là, tu vois que je serai connue et on va partager comme ça là partout, je serai maintenant connue, je vais faire la promotion des gens et puis... Arrête-moi ça, tu n'es pas possédée. Maman, s'il lui a quelque chose, tu es mal parti. Maman, eh bien, s'il arrive quelque chose à maman, tu es mal parti. Je te préviens d'abord. Tais-toi, des papas de plus dans ses oreilles. Et pas chercher l'eau à boire. Maman, ça va, maman. Parce que tu ne connais pas. Voilà. Va chercher tes choses, tu pars chez ton père. Je ne peux pas accoucher le genre d'enfant si. Hey, ce n'est pas mon sang. Je ne suis plus là-dedans. Ça va pas. Ah, comme maman te dit là, pardon. Pâche ton père, ce n'est pas mon sang ici. Maman, tu souffres sur moi. Hey. Jusqu'à ce que je vais devenir célèbre. Calme-toi. Des fois, ma couche, les vrais enfants. Voilà, ma femme, je suis allée accoucher. Hey. Qu'est-ce que c'est pas? Dieu merci qu'il n'est pas le même père avec toi. Maman, je veux plus te voir. Lève-toi, tu pars comme elle dit là. Pas influencer ton père parce que moi, ne m'influence pas. Pas chercher tes choses. Laisse-moi. Pas chercher. Maman, calme-toi. Je vais influencer son père. Moi, ne m'influence pas dans ma maison. Qui a eu les filles d'aujourd'hui? Ça va. Tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Maman,